سالي السلام عليكم انا تنهينا الكرشوش اي ما على باليش كاع واش راني ندير هنا كنت جايزه في الطريق دكموني طوني هنايا وداروا لي ميكرو وانا قاعده نستنى parce que voilà que tu as une nouvelle expérience donc le JT voilà parce que je suis une femme je pense que c'est la base hein. Je suis une femme Natanit mindak ina face mais adbonish donc oui pourquoi pas parce que mandi tonobil khabti tsmaikom tsmaou fiya w rakom habin dirou le khair chrou li tonobil et puis j'adore le train. Ah bah parce que le monde est pas mal, le monde est cruel et que ça nous permet de s'évader, dans des villes wahdokhrine, je fais des paysages wahdokhrine à travers la lecture. Aqliti ya mou, hadi hiya, dawa lqmach. Parce que il est parfait. Non mais sérieusement parce que c'est l'un des auteurs, je suis sensible à leur art, à leur écriture et tout en plus. Il est mignon, il faut dire ce qu'il en est. Pour le moment, mais un visa ou Kalabal que Darahem la fait. Parce que c'est Haïl, il est trop bien ce gars. Bah, comment vous dire que Kain Bzaf l'Hfarin, l'Ida al-Watania, j'avais des soucis, donc c'est terminé par un petit SMS, donc je ne fais plus partie de la radio nationale. Bah, je ne sais pas vraiment, mais surtout de premier abord parce qu'on a le français, donc c'est le commentaire le plus récurrent. Après, il dit Mora Shahari, après, il dit Mora, les prises de position, Mawadeh Hassessa, si vous voulez. Donc peut-être que, enfin, Mindak Nihsolahin Ban extraterrestre qui nous les commentaires, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Je ne sais pas quel Instagram Rakchou, mais un Instagram, je raconte pas du tout ma vie. Je partagerai les trucs. J'ai l'impression que après, oui, c'est restreint au domaine culturel et tout, mais ma vie, franchement, je raconte pas ma vie sur Instagram. D'habitude, je suis payée pour parler, les gars. Genre, il faut dire ce qu'il en est. Donc, je suis diplômée, fladala, c'est tout. Parce que c'est un projet que j'aime bien, c'est un projet que je trouve juste extraordinaire et pourquoi pas faire partie d'un projet pareil qui va probablement être un de ces quatre, les jeunes Joe Radio.